Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on va continuer l'aventure du jeu. Summer in Mira, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Excuse-moi, est-ce que si on pourrait me donner un coup de main? J'adore tes cheveux. Ok, merci. Je pensais faire des mèches. Je suis Mons, c'est la patrouille interstellaire. Je suis en vacances et je crois que j'ai perdu mon sac à dos. T'en fais pas, je vais te retrouver pour toi. Je crois que Chamin me l'a volé. Ce n'est pas comme s'il contenait quoi que ce soit d'important, ce ne sont que des vêtements, mais j'aimerais le récupérer. D'accord, je vais me renseigner. Pas de temps à perdre. Un maillot. Ok, un chamin, c'était. Mayo, est-ce que tu as volé le sac à dos d'une fille sur la plage? Moi, pas du tout. On est sûr, et bien maintenant que tu le demandes, j'ai trouvé un sac à dos qui traînait quelque part, je l'ai enterré. Je l'ai laissé quelque part près du manoir, mais tu aurais besoin d'une pelle. Ça, toi, de la pelle pour déterrer le sac de Mons. De savoir. Je construis une pelle. Je vais construire une pelle. Je vais voir si je peux faire ça ici. C'est fermé. Bon, pas ici.
Salut Madigan, comment tu vas? On avance la fin là. Madigan, comment vas-tu, Madigan? Et voilà. Je les livre.
Tu penses à où va 10 heures? 4, 2, 1. Et ouais. Fais du manoir. Nous avons trouvé le trésor, il y avait un autre livre à l'intérieur. Parfait. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Avez-vous découvert quelque chose au sujet du temple? Le livre n'est qu'un recueil de nouvelles mythiques. Il y a une part de vérité dans chaque mythe. Il existe un lien entre les fontaines et les temples. Il semblerait que les habitants de Mara se servaient de ce liquide comme source d'énergie. C'est vrai, je m'en sers de carburant pour mon bateau. Pourrais-tu m'apporter de ce carburant? Du manoir. Ah ah. C'est cadeau. Va. Allons chercher le liquide pour Aquila. Remplis le réservoir. Ok, c'est fait. Adigan, parle-moi tabarnak. Ça énormément, une énergie très propre, irradie du mala. La lumière est superbe, c'est vraiment très beau. Vous aimez beaucoup des belles choses. Le but ultime est d'atteindre la beauté absolue, bien que ce soit une chimère, quelque chose d'impossible. Comme réseau des mystères des temples, j'ai bien peur de m'être trop attardé sur la question pour rien. Jamais je ne trouverai la réponse. Ce n'est pas grave, c'était pas si mal. Au moins nous avons pu passer du bon temps ensemble. J'ai poursuivi mes recherches au sujet du temple antique. Il existe une île au peu loin d'ici sur laquelle il devrait se trouver un temple. Tu du moins ces ruines au-dessus d'une fontaine. Tu y trouveras une sorte de vase. Rapporte-moi cet objet. D'accord. C'est loin, mais j'ai trouvé le vase. Comme je m'y attendais. Cet océan est obsédé par les spirales. On en trouve absolument partout. Dans les écrits antiques, sur les statues, sur les objets. Pourquoi? C'est peut-être un symbole pour bonheur. Il existe des symboles similaires dans de nombreuses cultures différentes. Je ne crois pas qu'ils servent énormément de nos jours. Je
l'ai trouvé, je le trouve joli, alors je te donne cet objet, il n'y a pas de place dans ma collection. Merci beaucoup. La clé, vous semblez triste, pas du tout. J'étais en train d'écouter une vieille chanson. Ça me fait penser à la maison, elle vous manque. La Coalice, les gens ne me parlent pas en bien de vous. Eh bien, je ne leur en veux pas. Que cela me plaise ou non, je suis un élite et je crois que les Quido auraient besoin de plus de personnes comme toi. C'est bien vrai. Comme Akaji, Onzo, Mayo, Abraham. Ce sont mes meilleurs amis, ils sont vraiment gentils. Ce qui manque le plus de Deva, ce sont les feux d'artifice. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça te plairait. Je vais t'expliquer comment en fabriquer, mais il faudra faire très attention. Promis. Oh. L'acte de création est la plus haute forme d'art à laquelle on peut aspirer. Bon. J'espère que ça pourrait bientôt m'en servir. Je te le souhaite. S'il te plaît, ne m'embête. Son sac à dos, faut lui amener. J'ai trouvé ton sac à dos. Pourquoi est-ce qu'il est plein de terre? Je l'ai trouvé comme ça. Enfin, on peut n'y plus rien. Tiens, prends ce pourboire pour le dérangement. Pardon, petite, tu veux bien me prendre en photo? Comment? Avec un appareil photo? Une photo quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne crois pas. Tiens, prends l'appareil. Essaie de prendre une photo. Si tu t'en sors bien, tu pourras le garder, bien sûr. Pas mal pour une première photo, merci, tiens. Pour toi, prends toutes les photos que tu veux. Ouais, c'est génial. Excuse-moi, peut-être, je crois que ma Mac est cassée. Oh zut, quel dommage. Je vais bien le réparer, je ne sais pas comment faire. Je ne pense pas que ça soit très compliqué. Une corde et du bois devant va suffire, compris. Je vais aller chercher tout ça. Tiens, j'ai trouvé. Oh, ne t'en fais pas, je m'en suis sorti finalement. Reste coincé sur la planète Ankora m'a permis d'apprendre une ou deux choses. Ouais, t'es doué. Je vais nager, tu peux terminer ma poisson si tu veux. Si tu veux bien m'apporter une pizza, d'accord, je vais me renseigner, merci. Merci de m'avoir apporté ça, je l'aurais bien fait moi-même, mais... Merci de m'avoir apporté ça, je l'aurais bien fait moi-même. La demoiselle aux cheveux roses voudrait de la pizza. Est-ce que tu peux m'en préparer? Ouais, mais je ne les réussis jamais. Je suis très occupé en ce moment. D'accord, d'accord. Et si tu me donnes la recette, je pourrais la faire. D'accord. Ne dis pas à ta casse, s'il te plaît. C'est une recette secrète. Pas de soucis. Chut, j'ai dit à personne. Non, merci.
Tiens, voilà ta pizza. Elle a l'air bonne, compliment du chef, ça va me manquer tout ça quand je serai en mission sur Ava. J'ai fait de la pizza tout seul, alors félicitations chef. Je suis pas une chef. Je travaille pas à la buvette. Non, je suis une aventurière, j'explore les lieux et je fais des trucs. Oh, je suis désolé, je pensais que tu étais la serveuse. Pardon, ce n'est pas grave. Si tu as besoin d'autre chose, appelle-moi. Ah, comme ça, c'est gênant. Est-ce que je peux te donner quelque chose en retour? Prends ton t-shirt, je l'ai acheté dans une petite boutique près du port. Tu me la donnes? Oui, il est un peu petit pour moi. En plus, tu as été si gentil. Bon. Ok. Saillant, est-ce que tu as une pelle? Oui. Est-ce que tu en as besoin? Non, mais toi, oui. Tiens, j'ai une carte de trésor pour toi. Sais-tu comment t'en servir? Pas du tout. La carte indique l'île du laquelle un trésor est caché. Tu dois trouver l'emplacement exact tout seul. Tu creuses, c'est tout. Ça me paraît facile. Ça l'est assez. Même un pirate serait capable. Alors, va trouver ce trésor. Azorland. Pour être enterré un trésor dans de la terre.
rouler. Le coffre ne s'ouvre pas. Évidemment, il faut une clé pour ça. Est-ce que tu en as une? Oui. Et je la donnerai seulement en échange de fruits et de légumes. Mon équipage a faim et on a mort des poissons. D'accord, ne t'en manque pas d'ici. Tiens, merci, Moussaillant. Et tiens, voilà la clé. Toi, vite, qu'est-ce qui ne va pas? C'est bientôt l'anniversaire de l'un de mes membres de l'équipage. Il nous demande FFT, je viens. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il nous faut du fromage anniversaire, un gâteau, ça ne serait pas mieux? Non, les gâteaux ramollissent trop au soleil, en pleine mer, chaque fois qu'on en a un sur le bateau, il s'abîme. Bon, d'accord. Je vais te fabriquer un fromage, merci. Tiens, prends cette recette pour le fromage anniversaire. Qu'il faut un fromage. Et j'ai préparé le fromage. Ouf! Nadia raffole du fromage, elle ne peut pas s'en passer. Qui est Nadia? La truie, elle est maintenant. Elle est toujours nerveuse à cette période de l'année. J'ai dû préparer un fromage pour une truie, c'est la meilleure. Je te crois. Quoi, la
Ah, tu veux bien jouer, la messagerie pour moi. Je dois envoyer ce message au courrier, mais la poste ne fonctionne pas trop bien. Si tu l'amènes à Coalice, tu pourras la déposer directement à la poste. T'en es sûr? Oui, elle se trouve à la boutique de nos... Mais ne lis pas le contenu. C'est vrai, je ne ferai pas ça. J'apporte une lettre pour la poche, je vois, mais il n'y a pas de cachet dessus. Envoyer une lettre sans cachet, c'est pas bon pour le service de crap postaux. La dernière fois que j'ai envoyé une lettre sans cachet, j'ai reçu un colis. À l'intérieur, il y avait, d'accord, j'ai compris, un calmar. Oh. Trois yeux, il était toujours en vie et il m'a attaqué. C'est mal terminé. Qu'est-ce que je dois faire pour mettre la lettre? Tu peux aller la faire à la banque, mais tu devrais payer. C'est la méthode la plus simple. Pas de problème. Dégaine, j'ai besoin de faire acheter cette lettre. La poser au cachet, un service très cher. Je ne compte pas le faire gratuitement. À qui est cette lettre? Privé, rien n'est privé pour le banquier. D'accord, c'est les idiots. Les pirates, alors le prix va augmenter. Je ne travaille pas pour les pirates. Qu'est-ce que vous voulez? Je dois avoir le contenu de la lettre. Par précaution, évidemment. C'est impossible, alors va-t'en. Ah bon, encore, mais il ne ment pas à précaution, pas vrai? Oui, bien sûr. Personne ne le saura. Tenez. Oh, je vois, c'est très intéressant. Eh bien, je n'ai pas à quoi je m'attendais. Tiens, voilà la lettre, c'est caché. C'est les 100 pièces. Citron Mike. Citron Mike, what's up? Comment ça va, Citron Mike? J'ai fait un cachet sur les lettres de l'envoi de ce pain. Merci beaucoup d'avoir utilisé nos services. Si aussi à l'heure un peu déprimé, je ne vois pas l'intérêt de naviguer sans cochon à bord, je peux t'en apporter d'un des miens. Non, c'est pas nécessaire, c'est fichu, monsieur Echo. C'est sûr qu'on peut faire quelque chose. Où avais-tu trouvé ton cochon? Il existe une île sur laquelle il y a plein de cochons. Ils sont tous superbes, ils sont heureux et vivent en liberté. Et qu'ils posent la patte. Et c'est... Mais qui... Je peux aller t'en chercher un, vraiment. Et il doit être vraiment spécial.
À l'île du repos, c'est chaque côté. Yo. C'est des plus petits ou quoi? Elle dort mieux que... Bon, on n'est pas la réveiller. Ah, il y en a un là, un cochon. Je pense que ce petit cochon, oh, il est sublime, il me plaît énormément. Il est... Et on dirait qu'il t'aime bien aussi, il semble très content. Ouf, tant mieux, ça m'indique. J'espère que ça sera un gentil petit cochon machiniste. Merci Moussaïen. Tiens, voici ta récompense, 3 clés. Celle de métal. Toi, tu as mis les bonbons de la part des dames du marché, c'est dans... Pas la responsable. Et qu'est-ce qui ne va pas les bonbons? Quand j'étais petit, elle s'amusait à me coller des bonbons dans les cheveux. Elle était jalouse de mes longues chevelures. Je me débrouillais mieux que pour faire des queues de cheval et des michons, des chignons. Envoyer des bonbons est une mauvaise plaisanterie. Ah, je ne savais pas. J'en suis désolé. Maintenant, je vais t'en préparer pour me acheter des histoires de bonbons. Ouais, je vais bien. J'ai déjà préparé la gelée. Parfait, parfait, la gelée. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes sœurs détestaient la gelée de mon père. Elle faisait venir parce qu'elle était toujours pleine. Qu'est-ce que tu peux aussi apporter du papier? J'ai une idée. Comme tu veux.
tout ce qu'il te faut. Maintenant, je dois appeler Elio, c'est notre meilleur enterreur. Il fait avec aussi des cartes, c'est des passe-temps, c'est notre coup. Merci beaucoup pour ton aide. Bonjour toi. Qu'est-ce que tu fais ce bateau de Dio, on fait une petite balade en mer. Ouais, tu veux bien me rendre service, qui a-t-il? T'inquiète, j'ai fait une réfixation du col de l'étage, je sais. Mais là où il se trouve, c'est tellement en or qu'il est incroyable. Oh, les tirs étaient larges. Ce n'est pas vrai, c'est simplement que le froid me trouvait des petits plats. Je voudrais te demander si tu pouvais me tricoter un bonnet et une écharpe. Bien sûr, tiens, voilà le modèle et les gens sur la voilà un bonnet et une écharpe avec ça, tu serais bien. On pourrait aller dans le nord, tous les deux. Ouais, ça devrait être aussi parfait. Dans la bonne taille. Je vais arrêter de chercher des trésors pendant quelques temps. D'accord, c'est pour toi. Amusez-vous bien. Bonjour, Psy Moussaillant, nous avons besoin de votre aide maintenant. Nous devons attaquer les élites avant qu'il ne soit trop tard. Je propose que nous aidions le Tio, le canon, ils sont prêts. Non, je suis vieux. Pas vrai, Akagi. Akagi, qu'est-ce que vous faites ici? Rien, je me joins à les Tio de temps en temps. Mara est très belle, elle est en danger. Vous voulez bien m'aider? Bien sûr. Nous ne nous abandonnerons pas, quoi. Très bien, je vous tiendrai au courant. Arrête-moi. Il n'est pas radio, nous n'avons pas besoin de la doute. Je n'ai qu'en tirant au canon. Ou avec des mouettes étrangères, comment puis-je vous contacter alors? Ne t'en fais pas, quoi. Je me charge de la vie. Pars en toute tranquillité, merci. Je vais attendre la vie de son ami. Ils verront à qui ils ont affaire.
Avez-vous réussi à fabriquer des feux d'artifice? Pas encore. Peut-être que quelqu'un d'autre sait comment fabriquer, évidemment. Ok, c'est peut-être moi, vraiment. Tu pourrais fabriquer des feux d'artifice pour la course, bien sûr. Je t'attendrai là. Donc ça va aller mieux. Voilà. J'ai préparé les feux d'artifice, parfait. Fantastique, je suis sûr que c'est très bon, évidemment. Quand est-ce qu'on commence la grande course? Oh, je suis désolé, capitaine, mais c'est réservé aux pirates. Tu n'es pas invité, j'ai déjà participé à une présentation, oui, mais les circonstances étaient particulières. Je ne l'oublierai jamais, mais pour l'instant, ça nous est réservé. Alors, j'ai fait tout ça pour rien. Tu es notre Spencer de course, tous les pirates de Marat ont que... Il a été organisé grâce à toi, merci infiniment. Hey, au revoir. La peau. Ah? Oui, nous devons informer Akagi et les pirates. Les SOE, Echo, Rigata, Eriki. Alerte, s'il vous plaît. Vous êtes en place, il faut attaquer vite. J'espère qu'ils m'ont entendu. Rendons-nous à la porte, la poteau. Vas-y vite. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est le gamin, la gamine dont je vous avais parlé, je vois. Je m'appelle Von Hand Bolgas. Je suis le baron de la Haute Ligne. Le Deva, Dan Chen m'a dit que cette île t'appartenait. Est-ce la vérité? Oui. Je pense qu'il est désormais évident que ce n'est plus le cas. À présent, c'était celle des élites sous mon commandement. Elle renferme une source d'énergie puissante. J'ai bien peur que tu dois déménager. Évidemment, nous pouvons t'offrir une compensation pécuniaire. Pour le dérangement, ça m'intéresse pas, merci. Si les moyens justes ne te conviennent pas, ces derniers changent genre de nature. La popo laisse-la partir. Je pensais m'être déjà débarrassé de tous les pénibles créatures. Il en reste une derrière. Dernière, je vous prie de vous en débarrasser, Dan Chen, à vos ordres, pardon. Quant à toi, petite, tu peux prendre la fuite si tu peux pas, si tu ne veux pas disparaître à ton tour, tu n'as pas d'autre choix. Vous êtes sur mon île et je la protégerai des gens comme vous. Je ne comprends pas un tel entêtement.
Nous représentons le progrès, nous sommes l'avenir. On ne peut pas nous arrêter. J'ai voyagé de nombreuses années à la recherche de cet endroit. N'essaie pas de faire un pas de plus. Je vous interdis. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Je m'appelle Koa. Je suis la gardienne de mon île. La gardienne? Tu es insolente. Tu es agaçante. Pour toutes les planètes que je visite, je tombe sur des idiots comme toi. Tu n'es pas, tu n'es personne, tu n'es rien. Tu n'es que la poussière emportée par le vent. Si vous défiez Mara, la poussière, ce sera vous. C'est ce que tu veux. Vous dévorerez cet endroit. Comme nous l'avons fait de nombreuses fois par le passé, je continuerai d'agir ainsi pour la croire. Votre océan n'est qu'une source, et vous la gâchez. Mara est un lieu vivant. Elle appartient à tout le monde. Nous lui devons tout. Je vais t'anéantir, écoute. Puisque je te dis, et quand j'en aurai fini avec toi, je me chargerai de toi et de toutes les îles de cet océan. Il ne resterait plus personne pour te souvenir de toi ou des gens qui ont vécu ici. Tout sera qu'une immense tache violette. Il ne restera plus rien. Mara ne vous laissera pas faire. Tais-toi. Tais-toi, bon sang. Pardon, ce n'est rien. Vous ne pouvez pas détruire un océan tout entier par égoïsme. Je fais ce que je veux dire. Enfin, charge-t'en, CB. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous tout perdu la tête, Fink? Toby, je suis désolé, James Baron. Toi, cours vers la porte. Samy m'a rendu le cristal de la porte. Donna, grâce à la porte, ça aura pu se jouer. Cette cristallide a perdu à obtenir, mais héritier à bon cœur. Et gagnant, il s'est ouvrier. Non, c'est B. Bon, va ouvrir la porte, quoi. Ouais, là comme mon cadeau. Oh. À la pili pour passer à la mission suivante. Tu voudrais vivre pour toujours avec moi? Parler à Mara, elle souhaite que je devienne sa gardienne. J'ai accepté, mais à une condition, que je n'ai pas à rester uniquement sur cette île. Exactement, nous naviguons d'un océan à l'autre. Pour protéger Mara, je dois en connaître chaque recoin. Bien, je suis sûr qu'on récolte. Une récolte nous attend. Si ce n'est pas le cas, nous planterons des plastiques, ça te dit? Oui, elles sont très bonnes. Rafraîchissant, je crois qu'on pourrait fabriquer des bâtonnets de glace, il nous faut simplement de la glace. Je trouve que c'est une bonne idée. Viens, le robot. Aujourd'hui, c'est une belle journée d'été.
savais qu'elle protégeait ma va. Ah, nous avons une soeur pour toi, je n'apporterai rien à personne, je n'en ai... Voilà, c'est vous, vous toujours des toits à tout le monde. Non, ce n'est pas ce qu'il s'agit. Nous avons une carte. Vous pouvez aller à cet emplacement et creuser pour nous. Vous ne comptez pas faire des mauvais coups à quelqu'un, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas prévu. Nous avons reçu cette lettre par courrier. Elle vient peut-être de notre père. Ça fait tellement longtemps que nous attendons de cet hiver. Pas que cette... La part, je t'en prie, quoi, tu vas nous aider. D'accord, d'accord, donnez-moi cette carte. Je crois que ce n'est pas ce que vous attendiez. Qu'est-ce que c'est? Lâchez, fichu d'idiot. C'est toujours pareil. Bon sang, c'est horrible. N'est-ce pas? J'aurais dû m'en douter. L'idiot sait que nous détestons la gelée. C'est sûrement lui qui nous a envoyé la carte. Il est méchant. Je suis désolé. D'accord. Nous allons nous venger à notre frère. Qu'est-ce que vous faites? On prépare un cadeau ultime. Qu'est-ce que c'est? Un gros badaboum pour dire adieu aux pirates. Qu'est-ce qu'il faut? Ce sont nos concurrents directs. Ils sont des loyaux aussi, ce sont des pirates et tout. Ils nous volent toujours nos produits. À vrai dire, on leur a volé des produits en premier. Qu'est-ce que vous comptez faire? Leur envoyer un baril de poudre à canon. Mais c'est très dangereux, exactement. Je m'en occupe. Attention. On est sûr? Oui, oui. D'accord. Apporte-les où se trouve, attends qu'ils soient tout là et badaboum.
Oh, qu'est-ce que tu fais là? J'ai la boue pleine de foudre, t'as canon. Sous-sol, tu calmes, ça ne veut pas exploser, c'est de la part de tes sœurs, les tirs, j'en étais sûr. Il y a des sœurs, vous savez bien, elles veulent vous faire tous exploser, mais je ne dis pas, je ne les laisserai pas faire. Alors maintenant, tu vas bien te comporter, sûrement pas, pour le bien de tous. Vous ne pouvez pas continuer à l'entretien, je vais vous envoyer des bonbons, des horribles, peu importe, nous devons apporter quelque chose pour que vous fassiez tout ça. Des prothèses dentaires, ça ferait pour un cadeau. Pourquoi des prothèses dentaires? C'est parfait. Ah bon? Oui, on va les apporter. Nous avons pas attendu exploser, elle était toute petite. Les pirates ont eu très peur. Ils m'ont dit de vous donner ça. C'est gentil de leur part. Ah, c'est un beau geste. Ah bon. Le rip prothèse dentaire vous plaise? Je n'en ai fait aucun doute. C'est le plus beau cadeau qui soit. Comment ça, nous sommes quittés? C'est bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce que tu veux une maison qui pourrait créer avec nous? Peut-être Duna, allons lui demander.
Dana, est-ce que tu peux vous demander quelque chose? Bien sûr, je voudrais construire une maison pas très grande pour un ami tout petit qui vit sur une plage. Est-ce que vous pourriez nous faire un des plans, je crois? Parfait. Il me faut du papier de lin. Pour savoir comment le faire. Attention à ce que tu portes.
apporter la langue et du papier, parfait, laisse-moi un instant. C'est tout? Oui, je me suis inspiré des pocambes de Mara. S'il te plaît, et je crois qu'il va l'adorer, il faut des matériaux rares. Ça va être super belle. Construire cette structure uniquement sur un lieu fixe en île d'origine. Thank you.
Ah, c'est peut-être là-bas. En haut. Donc c'était tout pour le live du jeu Summer in Mara live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh oui.